On ne supporte pas l'échec en France. On ne supporte pas l'échec en France. Donc que ce soit les banques, que ce soit les clients. J'ai commencé sans argent, sans réseau, sans diplôme. 2008, j'avais investi toutes mes économies dans une start-up qui venait de déposer le bilan. J'étais frustré, j'avais perdu tout mon, toutes mes économies. Donc ça, c'était un échec énorme hein, parce qu'on y croit à fond. La société dépose le bilan, on se retrouve euh, euh, sans rien. J'étais pendant huit mois au chômage. Donc euh, j'ai voulu créer une entreprise et c'était une passion aussi de pouvoir créer sa propre entreprise. C'était la dernière chance parce que j'avais une succession d'échecs. On était en pleine crise financière. Donc tout le monde me décourageait, tout le monde me disait qu'on avait, c'était impossible de réussir en France. Il fallait partir en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre. Donc je l'ai fait dans un contexte très pessimiste, mais euh, j'y ai cru. On était trois, moi en tant que chômeur, et eux deux étaient salariés. Quand j'ai créé l'entreprise, avec ce bagage, hein, <laughs> j'avais euh, deux établissements financiers qui ne voulaient pas m'ouvrir de compte bancaire, alors que je sollicitais ni crédit ni découvert. J'ai eu une, une réflexion d'un chef de projet de la RATP qui ne voulait pas me donner son appel d'offre parce qu'il me disait « j'ai des cheveux blancs, vous n'en avez pas, donc je ne vous fais pas confiance ». Et après, ce que j'ai vu, ce que je témoigne, c'est qu'on a un dispositif d'aide en France qui est exceptionnel et qui m'a permis, en tant que chômeur, d'en arriver là. En dix ans, j'ai bénéficié de plus de 3 millions d'euros d'aides diverses. Donc ça, c'est exceptionnel. Tout ce dispositif nous a permis de nous développer dans une vingtaine de pays, de faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et d'avoir 43 salariés. La France m'a protégé quand j'étais au chômage et la France m'a aidé à développer une entreprise d'une quarantaine de personnes. On entend aujourd'hui que pour des jeunes sans diplôme, euh, ce qu'on peut faire uniquement, c'est être chauffeur Uber. Moi, ce que je dis, mon témoignage, et ce que j'ai réalisé en dix ans, c'est que grâce à tout ce système d'aide français, on peut réussir et on peut entreprendre.